Je vous demande de vous lever pour accueillir le président directeur général du groupe Orban, de nous pour nous. Je dis bonjour à tous les enseignants, bonjour à mes enfants. Je veux vous parler de ma vie en partie, avec moins d'argent, avoir un salaire de 30 000 francs par mois. Et devenir un fier de moi. Aucun vous décourage en disant que c'est la sorcellerie, votre ceci, cela. Je veux vous démontrer, si vous croyez qu'il y a un point de sorcellerie dans votre vie, vous m'interpellez et vous m'arrêtez. Donc, je commence par être toqué au corps, le passé, je ne reviens pas du tout. En 76, je suis toqué au corps, j'avais un salaire de 30 000. Et j'étais marié. Et on quittait misérablement. Un jour, ma femme me dit, mais j'ai vu quelque chose contre ce que nous faisons plus. J'ai vu une machine qui écrase le climat de l'Asie. Et si tu achètes ça, je peux me débrouiller à la maison avec ça. Ça va nous donner quelque chose. Il dit, mais on n'a pas d'argent, on va faire comment? Elle me dit, non, on peut faire le problème. Je dis, j'ai 30 000 tous, on ne parvient pas à manger, tu dis qu'on parle de l'économie, comment? Il dit, non, on va économiser 20 000 francs pour le mois, et on va se débrouiller à l'économie. C'est comme ça qu'on a économisé les 20 000 francs par mois. Pendant 3 ans, on a eu de 300 000 francs. On a acheté notre machine à automate. On a installé ici à Brazzaville, dans un million quartier. Ça nous donnait les premières semaines 5 000 francs par mois. Les deuxièmes semaines, les dimanches, ça nous donnait les 6 000. J'ai commencé à travailler comme ça, mais on continuait à vivre misérablement. Par exemple, les étudiants, ça pouvait s'arrêter. Quelque chose pouvait faire que ça s'arrête des six mois. On ne pouvait plus rattraper le temps. Mais on a continué comme ça pendant plus d'un an. Et je ne connaissais même pas la vie de la banque. J'avais acheté les cantines, j'ai mis en bas de tout cet argent que j'ai dedans. Et un jour, malheureusement, il avait beaucoup plu, il y avait une inondation et tout l'argent était mouillé. Et là, je prends la route, je cherche la banque pour faire quelque chose. Et tu as acheté la deuxième. Je veux faire venir mon professeur qui va écraser. J'ai dit ok, mais je n'achète pas la deuxième. J'ai pris un américain, j'ai démonté la première machine. J'ai pris les codes, j'ai vu comment on fabriquait. Je suis allé ici à Everking, acheter le taxi de ça, acheter le moteur. J'ai commencé à monter aussi les moulins à tomates. Et j'ai installé d'autres à Douala, dans tous les quartiers à Douala. Et je vendais d'autres dans les quincailleries. Tout en travaillant en route. Et je continue comme ça, mais mon objectif c'était de vivre mon atelier de confession. Mais je n'ai pas fait ce que j'avais appris à Mbalayo. Je passais plutôt à mon reprise ici, de chercher les sous-vêtements des hommes en coton. Ce qui était tout vêtement vendu dans les 3500 la pièce. Je passais la nuit à se cacher, je prenais des mesures sur ça, et j'allais à Chicago acheter des tissus en coton, je reproduisais la même chose. J'inondais les marchés ici, surtout le marché de femmes, les gens qui étaient du Gabon pour venir acheter. J'ai multiplié les machines, Ça, c'était les années 82. En 1982, où j'avais déjà 42 employés dans mon atelier, sans compter ceux qui étaient
qu'il est le ministère de mon machine à écraser. Sans compter parce qu'après ça, j'ai acheté le café, j'ai acheté le camion, j'ai acheté le camion, c'est qu'il travaille dans la fabrication de ce campagne. Et en 1992, j'ai été missionné au corps. Et quand je crois que j'avais beaucoup d'argent dans mon corps. J'avais beaucoup d'argent dans mon corps. Et du coup, en 1994, Gabo a fermé. Et maintenant, avec plus de soucis pour faire notre travail, et madame partait plutôt pour venir pour acheter le champ. Comme parce que le mien a rentré, je ne peux pas me dire un calme. Ils donc, les réunions vont aller acheter les choses en Chine et le coup de quitter ici au Cameroun pour aller en Chine acheter. Il dit à ma femme, on va aller en Chine. Elle me dit non, il n'y a que les Maliens qui vont en Chine ici. Et pour si tu es Camerounais, tu vas payer les Maliens avant qu'on va terminer en Chine. Je dis non, on va pas. Un soir, je rentre, je suis passé ici à 6h, j'ai acheté notre pied. En temps là, les Camerounais n'en font pas Hong Kong. En Chine, on se limitait seulement à Hong Kong. Même les Chinois pour entrer à Hong Kong, il fallait payer le visa, avoir le visa pour entrer. Et j'avais ma stratégie. Comme les Maliens partent, je vais suivre les Maliens en distance jusqu'à l'égard. Et c'est ce que j'ai fait à l'Algérie. On avait dit que je rentrais sur mon pied, je ne sais même pas ce qu'on a fait. Qu'est-ce. Mais je suis moi que les Maliens. Les Maliens sont mon guet. On est arrivé là-bas, j'ai dit qu'est-ce qu'on veut. Ils sont en train de dire ok, je me suis retrouvé. Tu allais chercher des choses, on a mangé. Et le soir, après, on a pris l'avion. Arrivé à Hong Kong, maintenant, on est descendu à la police, ils m'ont devancé. Oh, quand tu sors à la police, tu prends l'ascenseur. Je n'avais jamais pris l'ascenseur. Mais j'ai vu les gens entrer. Les gens sont entrés, ça fait plus tôt le niveau haut. Moi, je suis monté en haut, on descendait comme ça, on ne savait pas faire pour moi. C'est à la fin, on fait le niveau bus et taxi. J'ai appris le bus et taxi. On est sorti, on a vu les Maliens à la rue. C'est comme ça qu'on est arrivé à Hong Kong, on a commencé à acheter nos tissus, on a fait plusieurs voyages comme ça. Mais moi, j'ai vu le foulard de comme la chapillée. J'ai dit à ma femme, le coton là, c'est quoi maintenant? Le foulard, je vais acheter. J'ai pris les bagages accompagnés, et le matin, on est allé au marché des pommes. Les pommes ont commencé à bagarrer, tout ça. J'ai dit à ma femme, je vais acheter à Hong Kong. J'ai chargé un conteneur de foulard à Hong Kong. C'était 14 000 $. Je venais ici, je vendais, j'avais le refus de 80 millions. C'est comme ça que je suis parti. Mais quand on partait, on s'arrêtait à Algérie, on ne passait pas d'aéroport. Un jour, je n'ai pas de place à l'hôtel. J'ai pris un temps. On est arrivé à l'hôtel. On est sorti et je voyais les choses propres. Je crois que c'est à l'époque, il demandait à comment on fait que ça soit propre. Il a commencé à expliquer comment on fait l'arrangement, comment ça se passe, comment on va chercher les déchets pour que la nuit soit propre, comme ça, tout ça, tout ça. La nuit, je n'ai pas dormi. Je n'étais plus sur le marché de Hong Kong, j'étais maintenant sur le traitement des déchets, la profession là. C'est comme ça qu'il m'a donné les adresses, j'arrive ici, je commence à faire les recherches, ça peut être où est-ce qu'il va aller acheter, tirer, tout cela, je commence à écrire. Et vous avez la chance aujourd'hui que nous n'avons pas, parce qu'en ce temps-là, tu écrivais la lettre sur poster. Aujourd'hui, vous avez les lettres, vous écrivez, je vous ai on a répondu. Ce n'était pas notre cas. J'ai travaillé comme ça, je suis arrivé ici. Et j'ai mis ma société de récupération des huiles à Pilongue, là où la chanson nous porte maintenant. Et je faisais seulement les décantations manuelles. Je vendais à CCC et à Chéri, justement, à un chat. C'est comme ça que ça s'est développé, ça s'est développé. Et un jour, les Américains sont venus me voir de Porto. Ils ont dit qu'ils ont cherché quelqu'un qui va chercher des déchets sans la tête.
se contente du fait que j'améliore la semaine à un ordinateur sans traitement de tumeur. Il ordonna un peu le traitement de tumeur. Il était aussi encore en train d'acheter la deuxième partie qui était le traitement de tumeur. C'est comme ça que j'ai traité tous les dossiers de Fabanca Cameroun. Et ça m'a donné beaucoup de plaisir.